vous allez bien? Bon, bonne demi de semaine à vous, mes amours. Voilà, c'est réveillé avec la musique. Il faut vivre pour toi, on ne doit pas vivre pour les gens. Toi qui as dit ici, j'ai dépéri. Pourquoi j'ai dépéri? Parce que je ne mange plus chez vous, c'est tout simplement ça. La dépense de ton père, là, je n'ai plus accès, quoi. C'est bon? Donc, je suis là pas pour longtemps. Mes amours, Ousmane Nguyen lui a porté sa plainte. On devrait déposer la plainte là depuis la semaine passée. Mais je ne sais pas, il y a des gens qui sont derrière, qui cherchent. Aujourd'hui, Lucieux doit déposer. Je pense même qu'il est parti. Après avoir déposé la plainte, on va publier la plainte ici. Cette fois-ci, vous, les militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, je vous demande de m'accompagner dans ça. Oui. S'il y a une justice, on veut que la justice... Vous ne prenez pas part. Mais on veut que la justice fasse son boulot. S'il y a eu coups de blessure volontaire, que là où la personne même est sortie pour dire oui et puis fière, tout est là, on a tout mis sur clé, Ousmane Nguyen lui a porté plainte. Donc, la plainte sera déposée aujourd'hui. L'issue est partie. Je pense bien, peut-être même, voilà. Donc, militants et sympathisants du RPG Arc-en-Ciel, les patriotes de la Guinée, je vous demande à ce que la justice soit faite. Si Nguyen lui allait en prison pour injure, maintenant, on veut aussi que la personne qui a frappé coup et blessure contre Ousmane Nguyen le part en prison. Si c'est le cas, si la justice ne condamne pas l'acte-là, j'irai en prison, je vous dis. Parce que je vais louper personne. Wallahi billahi ta'alaï. Coup et blessure volontaire. Si ça, ce n'est pas condamné ici, on va voir. Donc, les militants et sympathisants, mes frères et sœurs, les patriotes de la Guinée, je vous demande, moi, Fatou Nguyen, je vous demande de m'accompagner. On a porté plainte aujourd'hui. La plainte de Jean Nguyen lui a porté depuis ces jours passés. Là. Il y avait je ne sais quoi. Moi, j'ai dit, moi, c'est ce que je dis. Je ne connais personne. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Pourquoi me mêler? Pourquoi me rencontrer? Je refuse. Je ne rencontre personne. Je refuse. Je ne veux rien de toi. Je ne te connais pas. Tu es qui pour me rencontrer? Pourquoi c'est moi? Je refuse. Moi, je ne suis pas dans les quoi. Non, 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 non. Tu ne mérites pas, moi, mon rencontre. Tu n'es rien. Tu n'es qu'une... Je ne sais qui, quoi. Je m'en fous. Je ne veux rien de toi. Hier, aujourd'hui et pour toujours. D'accord? Donc, voilà. Et je vais dire aussi ici, la personne qui... Toi qui dis là, il faut que moi je me tais pour que Nguyen le sorte de la prison, que ce soit ta première et ta dernière fois. Yo donc quand on m'accosse, il nous gomme yo mi fanku. Si tu es femme, prends mon numéro 622-000-097. Tu m'appelles, tu dis c'est toi. Tu me dis tais-toi, comme ça je vais faire sortir ton frère. Min yo donc quand on m'accosse, gilanyan de reda da ha hebada. Yo donc quand on m'accosse, comme il faut Nguyen le yad. Yo donc qui t'en m'accosse. Yo donc quand on m'accosse, il nous gomme ben de me yo min yo mi fanku. Ko am beppi mi ka ko am beppi selu dale ko woni ha jamara ma sole ka ko woni bibbe selu be wana non ngam ko bambura ma on ko wanande ko bambura ma on ko wondo ittade moone ngelo yo mo wondo moone ngelo e bambu ma on ko min yo don kana ma kos ko am bu iselu ko am beppi selu ko inde on dum fala da ande ne fala ande yonali ma mi wi yo donkano ma kos mi wola fi selu hanyando sokiti FDG mi hala fi selu dalen tanke ko president FDG mi hala fi makko mi wi yo donkano ma kos yo donkitano ma ha donkindaro yo donkano ma kos que ce soit ta première et ta dernière fois. C'est toi qui as mis selu au monde pour dire aux gens de me dire de me taire sur le cas de selu. Va te faire foutre. Moi, je m'en fous de toi. J'en ai rien à foutre avec toi. Moi, je suis pas... Hey, moi, je ne cherche pas les relations. Hein. Moi, quand je te dis les personnes qui m'appellent ici, je refuse de décrocher ou je refuse de les rencontrer, tu ne peux pas croire. Moi, je suis pas comme toi. Hein. Je suis pas chercheur de relations ou connaissances. Hein. Je ne suis pas comme toi. Moi, mes amis me suffisent. Les personnes que je connais me suffisent.
Donc, moi, je ne suis pas dans le populisme. Je m'en fous de rencontrer certaines personnes dans ma vie. Toi, je ne veux rien de toi. Je ne veux pas te rencontrer. Nielo n'a qu'à faire 20 ans en prison. Si c'est parce que tant que toi et moi, on ne se voit pas, Nielo ne sort pas là-bas. Là. Il va mourir en prison parce que moi, je m'en fous de toi. Maintenant, on a porté plainte. Nielo a porté plainte. Et il fait la procuration par mon nom. On va aller s'arrêter au barreau. Je dis, l'affaire là est très loin de terminer. Comme il y a quelqu'un qui est dans le dossier Ousmane Nielo, je vous dis, ce n'est même plus la justice qui détient le dossier Nielo. C'est le monsieur qui est en mal avec Ousmane, c'est lui. Vous voulez que je vienne ici pour vous dire qui m'a dit? Il a appelé, tu sais qui tu as appelé, toi. Tu sais, tu as appelé la personne de Dieu de laisser le dossier. Tu veux que je sorte ici, je viens dire la personne qui m'a dit. Je ne vais pas faire ça. Je ne vais jamais dire. Mais quand je connais la vérité, là, je vais dire la vérité. Gardez Nielo. Comme tout le monde est là. C'est ce que je dis. Doumbouya est là. Il a vu les choses là. Il a vu l'injustice. Il accepte. Parce que tout simplement, tu es venu le tromper d'abord pour le faire comprendre que ce n'est pas un truc d'État. Après, toujours, tu fais semblant là-bas. Tu vas à la justice, tu fais semblant. Garde le petit. La façon dont Doumbouya a libéré certaines personnes en prison là, qui sait d'ici des ans si vous serez là, là où vous êtes là, qui sait? Hey, c'est votre intention vous montrer. Mais la décision finale là, ça revient à Dieu. Tout ce que Dieu fait est bon. Moi, de fait, même une journée passée, Nielo est en prison, je ne vais jamais me pardonner. Parce qu'il est allé en prison, il ne méritait pas la prison. C'est lui qui a été frappé, blessé. Mi piali bengu bengan, mi sina nenean, mi lota eno be, première femme bengan on, mi lota be, mi lapina be, edouani lang hanyan de be mai. Sina la be nenean be, mi ette parma be hore nenean. Mi fidali julirde, mi piyenna ta bengan, mi yenna, mi yedaro, mi yenna koto anhoende gorko, mi wadalgu ngahan. Mi nami hudado goi, komuni no, je suis dur de caractère, mi do yori hakil, mi ida tonye. Mi tonya ta kono sai ni atonya ila holla la mbaugal holla la mbaudi mi hollete a bep wana alla na annabijo min ko mi holi alla kon kudu wadi mi hulata haye go ida way mi jaado hunde me alla wada goddum ko mi wi on sin on wudu tirtemere der hakkune me ngene fulbe ben de wata aduna paske aduna mi munyota ko aduna mi munyota ko. Mi munyota ko hande, mi munyota ko jango, mi munyota ko fatti jango. En ya ha fengo windo ko tablo. Ton habbo mo yere mon no yure ko tiya. Ko dum mi wi. Ya donkano ma kos mi nami hudalo. Mi nami da bo relation, nami da bo situation, mi force ta situation. Mi wi ya donkano ma kos. Je ne veux pas te rencontrer. Tu es qui pour que je te rencontre? Va te faire foutre. Je te connais pas. Moi, tu vas pas me manquer du respect. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? J'en ai rien à cirer avec toi. Tu n'es rien, tu ne représentes rien. Tu sais la personne qui est complice avec toi. Toi-même, personnellement, tu sais, si ce n'était pas par complicité de je ne sais qui, tu ne peux rien. Tu n'as que la bouche pour... Tu es qui même? Tu te regardes bien. Moi, pour me rencontrer, s'asseoir avec moi, va te faire foutre, je dis. Yo donc, on a ma cosse. Quoi, un bec, puis c'est lui. C'est toi la maman de celle-là, d'aller. Ou bien tu es l'enfant de celle-là. Parce qu'il y a eu l'argent contribué. Et qu'il y a eu l'argent contribué pour que nous, là, on se tait. Si je me tais sur celle-là, que ce soit mon dernier verre. Le moment venu, je vais me taire. Mais il n'y a pas, je vous ai dit, l'enfant là, il n'y a pas le sperme qui a produit l'enfant là. Cet homme là n'a pas encore ce sperme qui va jouir l'enfant là pour moi me faire taire sur le cas de celle-là d'aller. On ne bête pas, on bouti nané là. Mimi, c'est que mi wa ay on ko dwa do wonde don so don faala do hadi non sellu yo yo haala himbe makko be yo sokkito men on sikku don yakkay men do men fanka non min yo don kana ma kos jidi rawun kun yo don kitana ma kos ko min faatu wawli yo don kana ma ha don kindar yo don kana ma ha ko bek paradon so tawa mo inde mo ini hakkune mon ton mo ini ha fiima mo ina hakkuneji mo
On se croit bien dans l'histoire. Mais je suis trop fière de mon père. Je suis fière de moi. Je suis fière d'où je viens. Mon papa était fier de moi jusqu'à ce qu'il est décédé. Le 31 décembre à 22h, c'était là à 0h, le premier, parce que là, il était le premier. J'ai quitté à 22h chez mon père à l'hôpital dans son lit de malade. Je suis rentrée à 1h du matin, à 0h. Ma mère m'a appelée pour me dire bonne année, que si je suis sortie. Je dis non, je ne suis pas sortie, tu es à l'hôpital, papa est à l'hôpital, je vais aller où? Je dis j'allais même t'appeler pour te dire, les États-Unis m'ont accepté mes papiers, ils ont validé mes papiers. Après, elle a dit, alhamdoulilah, elle était contente. Mon papa a entendu ça. Il dit, c'est quoi? Elle dit, Fatou me dit, il dit, passe le téléphone. C'était là le dernier appel avec mon père à 0h, à 1h maintenant, parce qu'il était le 1er janvier à 0h. Je prends le téléphone, papa me dit, Fatou, ta maman, je dis, papa, je dis, les États-Unis ont accepté, ils ont approuvé mes documents. Il dit, ça va aller. Dis avec toi, j'ai ma bénédiction qui t'accompagne. Il dit, je te confie ta mère, je te confie toute la famille. Il dit, je sais que tu es intelligente. Il dit, reste derrière toute décision que moi je t'ai conseillée et tout. Et tout, à chaque fois, il me parlait. Moi, c'est mon ami. Moi, ma mère, c'est maintenant qu'on ne peut pas ne vivre plus, qu'on a des affaires. Moi, ma mère, on ne se voyait même pas. On ne parle pas, je viens la voir. C'est ce qu'elle dit, que je préfère mon père. Oui, je l'ai dit haut et fort. Et je l'ai dit, si on allait demander de choisir entre papa et maman, là, c'est elle qui allait devancer, mon papa allait rester. C'est ça. C'est ce monsieur que je connais. Donc, j'ai parlé avec mon père. Il me dit, Fatou, il a fait des prières. Et je vais vous dire, l'année passée, comme ça, j'étais au Sénégal. Je suis rentrée à l'ambassade, c'était en mois de décembre. Je suis rentrée à l'ambassade, le jour où moi je suis rentrée à l'ambassade, on ne m'a même pas demandé de questions. Ils ont regardé, tous les dossiers sont complets. La dame me dit, viens demain à 14h, je te donne ton visa. Elle me dit, normalement, c'est une semaine après, mais vu que c'est la fête, on doit aller en congé. Demain, viens à 14h, je te donne ton visa. J'ai compris que la baraka et la bénédiction de mon papa, Dieu a accepté. Le lendemain, je suis venue, j'ai pris mon visa de 6 mois, l'immigration. Pour ceux qui ont les papiers là, c'est un visa de 6 mois, on te donne. Je suis partie. En 3 semaines, j'ai reçu ma green card. J'ai ouvert la boîte mail, j'ai reçu la green card. 1 mois, 2 semaines, j'ai reçu ma carte sociale. J'ai eu le Medicaid. J'ai eu d'abord la carte d'identité. Après, j'ai voulu changer pour avoir le permis. Driver license. Je suis allée aux États-Unis en 8 mois. J'ai eu tous mes documents. J'ai appliqué pour une maison. Tout est bon. Je suis venue. C'est parce que j'ai la baraka de mes parents. Moi, je ne suis pas maudite. Moi, je ne sors pas ici parler. Moi, je n'ai pas. Et moi, je suis mariée très jeune. Mon papa m'a vu, la fierté de papa, tout papa là, c'est de voir tes enfants, même si elles vont divorcer après. Mais tout père est fier de voir, d'attacher le mariage de son enfant. Avoir certain âge, même sans marier. Moi, je n'ai pas de bâtard. Je n'ai pas eu un enfant hors, excusez-moi, ce n'est pas un bâtard, mais je n'ai pas eu un enfant hors mariage. Je me suis mariée très jeune. J'ai fait 2 enfants. Donc, moi, mes parents, mon père est fier de moi. Ce n'est pas de sortir faire semblant, parler. Si on connaît les personnes qui sont fières d'être de leur père ou de leur personne, on se connaît, tout le monde connaît l'histoire. On connaît quoi et quoi, on se tient juste parce que moi je ne suis pas sur Facebook pour venir raconter la vie des gens. Je suis là pour parler de la politique. Mais à un moment donné, il faut qu'on rappelle les gens leur histoire. Quelle fierté! Quand je vois certaines personnes de ma communauté sortir parler, c'est aujourd'hui qu'on est au Tanyon. Et tout m'a dit pour le foot, il a dit pour le foot. 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 Il a dit pour le. Je ne veux la réconciliation de personne, je le dis haut et fort. Je refuse. Je refuse. C'est bon? Tu es qui pour moi à me rencontrer? I don't give a fuck. Je ne veux rien de toi. Va te faire foutre. Tu es une escorte ou je ne sais quoi. Allez me voir pourquoi? Pour dire que oui, après, je m'en fous. Je ne vais pas te voir. Mais sali.
et tu ne peux pas me dire de me taire. Yo don kanoma mi yo don kanoma kos yo dekka mbudi mabbe yo naabe kakane mbudi de jonnama dekka de pay ko dum falaka kon yo don kanoma ko mingin ne on bek pa kataw on de boala emi don bi do no mi mi fan kay fi selu dale la way fan ko de fi selu dale dans le plus grand respect mi fan ka bule mais no gol wul bi nayla. Ma situation, moi, c'est du moment où vous pensez qu'on est faible. C'est à ce moment que je vous rentre. La faiblesse, c'est Dieu qui donne. La force, c'est Dieu qui donne. Moi, ma force, c'est Dieu. Je n'ai jamais compté sur quelqu'un. J'ai toujours compté sur Allah. Ma force, c'est Dieu. Si vous pensez que nous sommes en position de faiblesse, c'est d'après vous. Ça, c'est d'après vous. Dieu va vous punir ici devant tout le monde. Vous allez payer les prix de méchanceté, de péché que vous avez fait. Allez vous faire foutre, ouais. Mi ye landodon si na biroal beb beu benga ngara no mimmi lotay no be mimmi rada ki beu babe ngande mim babe ngang wonali be mayal tay ko mi radi beu mabbe te mim benga mayo akirawbe mum be kuma be akyal to woko baydon maybe ben première femme donc on connaît l'histoire. Moi j'ai pas cherché la femme de mon père. Moi vous savez c'est quoi, hey ton père, il faut trouver une femme, tu donnes à ton père et tu respectes la femme. C'est ça chercher la baraka. C'est ça être fier. Tu cherches la femme où je ne suis que de ton papa. Tu es là en train de nous saouler, temporiser. Je ne sais parler de quoi, quoi. Tu es qui pour parler à qui? Mais il y a donc quand on m'a cosse, quand on m'a allé. Il y a donc qui t'en a m'a cosse. C'est quoi debout? Et tout téléphone on note dans là. Il n'a l'air pas tout n'est-ce pas? Il n'a pas la fille celle-là. Billahi, il y a le téléphone. Il n'a pas la fille celle-là. C'était un cas de bois là. Yo don kanama. Kos. Kodum mi yo don kanama kos. Yo don kanama kos. Nyelo, je vais vous dire aujourd'hui, mes amours. C'est une personne qui détient Nyelo. Nyelo, c'est un monsieur qui a le dossier d'Ousmane, qui a appelé la justice pour intimider la justice. Il faut garder Nyelo. Je dis, c'est ton intention, tu es en train de montrer, mon frère. La décision d'Allah, tu ne pourras rien contre. Vous avez vu, la condamnation, ils ont dit 2 ans, non. Dans 2 ans, qui sait ce qui va se passer ici? Vous connaissez ça. Qui sait si même vous, là, toi-même, tu vas terminer cette transition, tu feras partir. D'ici la fin de la transition, là, il y aura beaucoup de gens qui ne vont pas participer. Parce que le monde vous a dépisté. Votre haine, votre rage, votre méchanceté. Si vous me connaissez, moi je suis très humaine. Mais je n'aime pas qu'on m'impose les choses. Je n'aime pas les chercheurs de noms. Je n'aime pas je ne sais quoi. Je demande pardon à n'importe qui. Mais il y a ces pardons quand je demande qu'Allah reprend ma vie. Je ne le ferai jamais. Le pardon quand je le sais mériter, je vais le faire. Ramatullah Konte, je l'ai dit hier devant vous ici, non, qu'elle pardonne. Bungis, ses parents, j'avais dit bien avant hier et je réitère ici encore. Bungis, je demande pardon à tes parents. Personne ne va m'imposer. Le pardon que vous cherchez là, vous allez mourir avec ce pardon. Si m'a dit un pardon, y'a la sorte ou un qui en qui. Je ne veux rien de vous. Comme il vous dit. Ha la gara. En fout de gouetao. En si va la no. Mais do habbi on ko gantenya sina ngatta ko bi sina no himbe wonbe landare len simi yenni no do hoynde gorko ne ko do ngando ton ko min la wasne di min wasre ne di ko woni min mi tonyata min nami go c'est que min mi pampan nata ko hore fenande mi darata ko mi tona balbuange hore beppale min goto ala ko jonnala haye hunde mi da pata tobe mi force ta situation ino bappoya ko force en nabidu ko force en yewtu ko force en weldu mi sali mi fala ka fima ka hombo an nyande mi fala fima yalla accude to mi habbo mi fanka dum de mi marana hore. Mes amours, on a porté plainte contre la personne qui a blessé Ousmane Nielo, d'accord? Voilà, Nielo a porté plainte. Donc la plainte aujourd'hui, l'huissier doit déposer la plainte. S'il y a une justice ici, on va comprendre. Les personnes qui accompagnent, qui sont là en train de manipuler la justice, on le saura aussi c'est qui. Bon, je vais vous dépister. La façon dont j'ai... Vous savez, j'ai pris celle-là, je l'ai mise dans une assiette. Le monde a su c'est qui celle-là. Et toi encore qui es derrière le dossier Ousmane Nielo, le peuple saura qui tu es.
tout magistrat qui va, la personne va appeler pour intimider, appelez le colonel ou Amara ou commando Farey ou allez-y à la presse. S'il vous parle là, les commandos Farey, les Amara, le colonel Doumbouya n'a rien à voir. Il arnaque les gens. Il fait semblant. Et comme si, parce que le Guinéen, c'est ça le problème. Dès qu'on te voit avec un président, on pense que tout ce que toi tu dis là, c'est ça. L'argent que tu as eu, tu as arnaqué les gens ici. Tu as eu tellement d'argent. C'est ça, c'est moi qui le dis. Tu as arnaqué les gens ici. À dire que tu as dit, on t'a donné l'argent pour ne pas cogner le sort en prison. Toi-même, tu sais cogner le, tu ne vas pas accepter cogner le sort. L'argent que les commerçants là ont contribué pour te donner. L'appel que la femme Satan là, qui t'a appelé, tu l'as promis que Nielo ne va pas sortir. Garde Nielo. Hey, mon frère, garde Nielo. Garde Nielo. Nani, faut garder Nielo. Tu iras en prison ici en République de Guinée. Tu seras très déçu. Tu vas finir très mal ici. Ce n'est pas les gens qui vont te faire quelque chose. Mais ton cœur qui est noir là, ça va te rattraper. Le CNRD, commando Farey, je ne le connais pas, il rassure. Amara, wallahi billahi tallahi, le monsieur là, si demain il enlève la tenue, il revient ici, il va être président. Parce qu'il a les yeux de chef. Il a les yeux, quand tu le vois, tu vois que c'est une personne qui a le dos large. Doumbouya, son problème, le soi-disant que c'est son ami, je ne sais quoi, qui l'a trompé depuis le premier jour. C'est lui qui l'a conduit dans l'erreur. Doumbouya sort dans l'esprit de ce gars-là. Reste loin de ce monsieur, il va te mettre en mal parce qu'il est en deal avec les gens de l'IFDG. Il est en deal avec les opérateurs économiques. Il est en deal avec des grands magnans qui sont là, qui veulent, qui ont l'argent. Il a promis le pouvoir aux gens là parce qu'il sait que lui là, c'est fini. Si le RPG revient ici au pouvoir, il n'a plus de chance. Le monde a compris qui il est. Donc mon colonel, vous blaguez sur quelque chose là. Vous avez vu le cas, le ce qui a commencé là. Parce que je vous dis, mon colonel, j'irai en prison à votre temps ici. Parce que la plainte qu'on a déposée là, quand le procès là, il n'y aura pas une condamnation. Je vais sortir ici. Je vais te dire quelque chose, mon colonel. C'est toi-même qui vas venir me chercher et m'envoyer en prison. Je dis, ce que vous voulez, là, on va le faire. Il faut que la justice soit à la boussole. Comme vous voulez là, moi c'est moi qui refuse. C'est moi qui refuse de faire appel. C'est moi qui refuse, hein. Je vais aller à la casse voir mes frères et sœurs à Madina. Je vais aller voir tout le monde. Moi, c'est moi qui refuse. Je dis non, ce n'est pas le moment de faire certaines choses. Nous attendons voir. Mais comme j'ai compris que ça ne peut pas, ça ne marche pas, j'ai compris la personne qui détient Nielo, il ne veut pas que Nielo soit libéré. On va voir, on va te dépister ici parce que la plainte, elle est portée. On va la publier tout à l'heure. Nielo a porté plein de coups et blessures. S'il y a une justice, si la justice est la boussole, on va comprendre. Si tu es bien coiffé, tu n'as pas besoin de porter casquette et dire aux gens que je suis bien coiffé. Il faut enlever la casquette, nous on va te dire que tu es bien coiffé. Donc si la justice là est la boussole, on va le comprendre. Mais je dis, je m'habille et m'amuriorafé. Ce que je dis encore, mieux yo don kanoma kos, an yo yi diraon. Gaye fatu fanku. Yo don kanoma kan bepe me. Yo don karama ko dum min ska debbo wola na min dara simi sultataama sen se ko tirtaado sen suwa dirtaado wa debbo e debbo enen do no ye maison centrale ska debbo wola la simi be ki diri mane ko maison centrale on ko ton yeten ko ton mo intinten mi suwate main ko maison centrale enen di do no bena ba embe jokina en ton on suwante mo intina ko der maison centrale mi yo don karama kos bareru ko dum mi wi yo don karama kos Gaye, in fact, yo fanku. Anka ambo fi yo mi fanku. Ka ambo an. Mi mi lo pa ke ma. Mi hacha ke ma. Min ben na fi gibe fop. Nyande selu woni la maki do. Mi mo intina ma. Be mi munyo to be hore ko la pos. Kono angong. Mi achantama mi fa la ka fi ma. Li shok kito do lang. Pas de souk qui t'a donné là. On va t'en lancer de. Mais je ne sais pas ce que je veux faire. Je vais rentrer ce matin, midi, soir. À cause de vous-même.
C'est que c'est par le respect des personnes qui me regardent ici. Sinon, j'allais venir m'asseoir ici. Je vais faire 20 vidéos par jour. Je veux dire, c'est que je vais insulter même ces loudalais. Je vais voir si vous qui vous êtes défenseuse ou défenseur là, défenseuse là, je vais voir qu'est-ce que tu peux. C'est loudalais. Dis à tes gens là de me laisser. Si ils t'aiment là, de me laisser en paix. Si ils t'aiment là, de me laisser, je vais te laisser. Mais à chaque fois qu'on parle là-bas, moi je sais tout ce qui se passe dans l'IFD. J'ai toutes les informations. Hier, c'est moi qui ai dit, j'ai dit au président de la République de barricader chez toi. Parce que la décision, c'était quoi? C'était d'aller se autoproclamer et revenir prendre tes bagages et partir dans une ambassade au Sénégal. J'ai dit, on a barricadé chez toi. Il y a d'autres qui ont dit non, tu n'es pas là-bas. Tu es là-bas. Je dis, tu n'es pas là-bas. Quand on barricade à l'heure là, tu ne vas pas rentrer chez toi là-bas. Tu vas aller à la minière. Je connais. Je connais tous ton ennemi. Il ne faut jamais accepter d'être loin de ton ennemi. Il faut suivre ton ennemi de près. Moi, mon ennemi, c'est Loudalais en repli de guerre. Donc, je te suis de près. Je te surveille de près. Tout ce que tu veux faire là, je vais dépister et je vais gâter tes plans. C'est ça, moi, mon objectif. Tes plats là, je vais gâter. Tes plats là, je vais tout gâter. Oh, tu penses qu'on n'est pas au courant avec la personne avec qui vous êtes en deal? Mais la personne là serait même bientôt écartée. D'ici la fin de la transition là, on dira out à la personne parce que c'est un traître. C'est un traître. On a compris, tu as vu. Non? Les personnes, il n'est même pas la seule. Mais c'est lui là. Parce que lui, les gens. Déjà, avant que le CNRD vienne, lui, il était là. Il avait la force. Le RPG l'a donné la force. Le RPG a fait de lui un homme. Le RPG a fait de lui un homme fort. Et aujourd'hui, il n'a pas où se braquer si ce n'est pas nous. Tu es qui, toi? Va te faire foutre, ouais. Moi, je n'ai peur de rien et de personne. Je laisse les choses par le respect. Voilà. Sinon, il y a eu deux personnes qui m'ont dit, « Fatou, ne parle pas ici. » Voilà, je n'allais pas parler sur Facebook. Mais après, je me suis rendu compte, il y a même l'argent qu'ils ont donné pour que moi je me tais. Que de profiter de la situation de Ousmane qui peut me faire taire. Ah, on a situation, gars. Non, et puis, Rolima, Haramere, n'a bien mon tourma quoi. Nous boula ouma. Wa boula de namba mana. Nyan gama de huna canari. Mara bolé ne réa. Wa mora kissimana. Otandena otana. Moi, je m'en fous de vous. Je vous ai dit, toute personne qui me prend en charge bloquée, toute personne qui met le carburant dans ma voiture bloquée, toute personne qui m'a acheté mes véhicules bloqués, toute personne qui m'a donné les papiers pour retourner là, récupérer les documents. Vous êtes qui? Vous m'apportez quoi? Allez-y vous faire foutre, je dis. Moi et celle, vous ne pouvez pas laisser entre nous. Parce que c'est lui, n'est qui? Tu veux le nom? C'est moi. Je dis, c'est moi qui ai fait taire les nyeux, il faut tourner le. Inyanga m'a dit. Il se fallait, il barrait, il voulait le faire, mon homme. Na bâtard, mon barbe. Je peux le faire par l'amour des gens, sans que ce soit conditionnel, sans que je comprenne que ça vienne de l'IFDG. Celle-là n'est pas peur. Moi, tes secrets-là, je dis rien. Je ne vais jamais dire quoi, Wallah. Mais je vais te déstabiliser politiquement. Je vais dire au monde entier qui tu es. Tu es un ethno. Tu es tout sauf un politicien. Si tu ne veux pas ça, libère la place aux autres. Tu es un dictateur. Tu as fait premier 2010 élection, 2015, 2020. Et là aussi, tu es prêt. Toi, tu peux parler de démocratie, tu peux parler de changement. Tu ne peux pas organiser le congrès dans ton parti là-bas. Vous parlez de changement. Vous-même, vous ne voulez pas changer. Vous pensez que les gens sont bêtes. Tu ne peux pas organiser là-bas. Si tu veux que l'IFDG va aux élections, tu ne peux pas organiser, mettre une autre personne qui n'est même pas peur. Les gens sauront que oui, c'est le parti que tu veux que part aux élections. Et que c'est le parti tu veux que qui part et qui a le pouvoir, mais c'est pas le parti, c'est toi. Quand les députés ont commencé ici, tu as dit de ne pas aller parce que à l'époque l'être député ça t'intéressait pas. J'ai dit aux députés partez, ils ont refusé. Présidentiel, tu n'étais pas la deuxième personne à aller déposer. Quitte ici, ouais. SGS, c'est pas toi qui a fermé quand tu étais ministre ici. Qu'est-ce que toi tu peux faire ici si c'est pas l'ethnocentrisme, l'injustice? C'est ce que je dis, sauf si mon père n'a pas fait pour ne pas que tu ailles en prison. Si tel a été le cas, tu as ordonné de l'argent aux gens pour que moi, mon frère, les gens ont contribué pour que mon frère reste en prison. Je prie Dieu que tu pars en prison devant le monde ici et que ta prison là, tu verras,
Allah yo naade kasso si tay tum bora am baba yidi ma yidani ma yangani kema toriki Allah fi yo Allah to ayaw kasso a jetti bi do mabbe fewno ko be wali be may tawata hida andis be wuruno on be paka na do bi do mabbe kasso tawa ko an yobata mbudi an yi himbe ma si tay tum woni ben an toriki fi wata yaw kasso a woni sabu bi do mabbe yey kasso yo Allah naade kasso nga yaltata yo Allah okkore nambara e tana an sirlu dalen toriki Allah yo Allah okkore ko hilno da terto da men si tawne de ma Allah jokki men men jokkama a immini arna fo yo cukkoro men wa wako mi anda yo Allah ittu ko bawgal mun cukkoma an sirlu dalen cukkoma cukke ko arna Allah fo tawa hay menen aybe ma ben joni men yurmetam ko dum marno ko mi wola.